Dans cette vidéo, je voudrais vous dire pourquoi vous devez accorder le droit à l'erreur à vos collaborateurs, mais surtout comment vous devez l'annoncer. Avant, j'avais un problème avec le droit à l'erreur. C'est-à-dire que je me disais, c'est vrai que tout le monde a le droit de se tromper, mais je me disais, si j'autorise mes collaborateurs à faire des erreurs, je ne sais pas très bien où ça va nous emmener. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut poser une limite. Et donc voilà ce que je leur disais. L'erreur est humaine, on peut tous se tromper une fois, mais il faut en tirer des leçons, et donc ne pas recommencer. Donc j'accepte que vous fassiez une erreur une fois. Mais en disant ça, je savais bien que c'était débile, parce que moi, quelquefois, pour comprendre, eh ben il m'arrive de faire quatre fois la même erreur. Et puis un jour, un chef d'entreprise m'a dit une phrase à propos du droit à l'erreur, qui a été une révélation. C'est-à-dire, il m'a pas parlé du droit à l'erreur. Il était en fin de carrière et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a fait de grandes choses dans son entreprise. Et je lui ai dit, tu vas prendre ta retraite et moi j'aimerais bien savoir la chose la plus importante que tu as apprise en travaillant dans tes entreprises et en particulier la chose la plus importante que tu retiendrais pour quelqu'un qui va faire du management. Alors il m'a demandé un peu de temps parce que forcément il n'avait pas réfléchi à ça. On a continué à marcher, c'était une randonnée. Et puis il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, on n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant ses erreurs. Et cette phrase-là, pour moi, ça a été une révélation. On n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant nos erreurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la première chose que ça veut dire, c'est qu'il faut faire des erreurs. Et là, il y a une autre citation, décidément c'est le jour, qui m'a un peu décomplexé par rapport au fait de faire des erreurs. C'est qu'en fait, le monde n'est pas parfait et qu'on ne fait jamais les choses parfaitement. Et donc la citation qui résume le plus cette phrase-là, elle vient du patron LinkedIn qui dit « Si quand vous lancez votre premier produit, vous n'en avez pas un petit peu honte, c'est que vous l'avez lancé trop tard. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas hésiter à se mettre en action. Et on va faire des erreurs. Quand on a un projet, on fait des erreurs. Et là où ça rejoint la citation de mon ami, c'est que c'est en corrigeant ces erreurs qu'on va obtenir le produit parfait. Et tant que vous n'aurez pas expérimenté les choses, en fait, vous ne pourrez pas voir les erreurs que vous allez faire. Donc ça ne sert à rien de passer énormément de temps en se disant il faut que j'évite, il faut que j'ai le zéro absolu en erreur. Il faut partir. Et l'important, c'est de se rendre compte de ces erreurs suffisamment vite pour pouvoir les corriger. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut se rendre compte de ces erreurs pour pas persister dans ces erreurs. Et ça, c'est pas évident. Il y a un livre de Seth Godin que je conseille souvent qui s'appelle Le Deep. C'est un tout petit livre et qui explique qu'en fait, dans un projet, il y a différentes phases. Et il y a un moment particulier où en fait, les efforts que vous faites ne portent plus de résultats. Il appelle ça le Deep, c'est-à-dire qu'on a une courbe où au départ, ça marche très très bien et puis tout d'un coup, ça descend. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se demander si on doit continuer à travailler de la même manière ou si on doit changer de manière de travailler. C'est une interprétation de la courbe, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Mais c'est très important que régulièrement vous posiez des questions sur la façon dont vous travaillez pour voir s'il n'y a pas une erreur dans cette manière de travailler. Et pourquoi je parle de ça et quel est le rapport avec le sujet du management? Ben c'est parce que votre rôle en tant que manager, ça va être de connaître vos collaborateurs suffisamment bien pour voir quand ils sont dans l'erreur. Parce que c'est grâce à vous qu'ils vont pouvoir se rendre compte de leurs erreurs, les corriger eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut les laisser les corriger eux-mêmes, pour repartir et à nouveau être dans une phase de progression. Et la dernière chose que ça veut dire que pour savoir, il faut faire. Et ça, j'aime bien une nouvelle citation, celle de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans votre management tout ça? La première chose, c'est que vous devez absolument leur faire confiance pour leur confier des missions qui sont un petit peu supérieures à leur capacité actuelle. Ça, c'est le niveau 1 de la confiance. La deuxième chose, c'est d'être là pour leur dire quand ils se trompent. Ça, c'est notre outil feedback. C'est-à-dire que quand leur performance commence à décliner, vous devez le voir et surtout, vous devez leur dire. Parce que si vous ne leur dites pas, vous ne jouez pas votre rôle de manager. Mais à ce moment-là, corriger leurs erreurs à leur place, ça serait en fait un manque de confiance. Donc si je résume, le droit à l'erreur, c'est quoi? Le droit à l'erreur, tel que vous devez l'expliquer à vos collaborateurs, c'est dire, on n'apprend jamais aussi bien en corrigeant ses erreurs. Donc je vais vous donner des missions qui seront probablement un petit peu
supérieure à vos capacités. Mon rôle, quand votre performance ne sera pas bonne, ça sera de vous le dire, mais ensuite je vous fais confiance pour savoir corriger vous-même vos erreurs. Vous pouvez donc faire des erreurs, à condition que ce soit parce que vous avez tenté des choses nouvelles, parce que c'est la meilleure manière d'apprendre, et parce que je sais que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour les corriger, et que c'est comme ça que vous allez progresser. À bientôt.